Lorenzo est musicien. Oui, je viens de composer une nouvelle chanson qui s'appelle Trottoir vermoulu. Et c'est une chanson sur Sarajevo. Je vais pas la faire à mentir. Sortons et soyons prudents. La ville, sucre bientôt dissolu. Sucre bientôt dissolu. Saigner comme il faut. Voilà, c'est un projet pour le prochain album de Land qui sera entièrement centré sur l'Europe. Alors, petite visite de l'appartement magique de Lorenzo et Vincent, ça va être compliqué. Ça. alors bon, ici on est dans le couloir des tableaux. Chut, le couloir des ténèbres. Alors, les fantômes. Les fantômes blancs sont là-haut. Voilà. Voilà. Les fantômes sales. un oiseau qui vient d'où? Il vient d'où, c'est vrai, Vincent? Il vient de Laponie. Ah, c'est un oiseau très rare. Bah, en fait, c'est un peu ça, c'était sa maison. Ouais. Il était là. J'adore la Laponie, ouais. Moi aussi. Yokmok. Alors ce chien, j'adore ce chien parce qu'il est, il est très mal peint. Ah oui. On peut voir là ses poils. Regarde ça, c'est un canevas. J'adore celui-ci. Au niveau des couleurs, il est incroyable. Regarde ça, Brice. Un cachalot. Et là, chasseur de rayons cosmiques. Ça, t'en verras pas. T'en verras nulle part, quoi. Ça, c'est un cerveau humain. Mais ça aussi, aussi un cerveau de blogueuse, petit égo de la mort. Ça, en fait, tu vois, c'est des. Sur certains tableaux, j'ai commencé à rajouter des. Fabrice, un jour de régate. Et ça? Ça, on sait pas ce que c'est, par contre. Mais si, c'est plate XL2. Ah oui, mais ça, tu m'as jamais expliqué. T'as jamais voulu m'expliquer. Le Père Noël. Un truc de chaman. Voilà. Une ancêtre. Quelqu'un qui joue de la flûte. Alors moi, j'ai tenu à ce qu'il y ait le Parthénon dans notre maison, parce que j'ai des origines grecques et c'est important de le dire. Ouais, une vieille prostituée. Ouais. D'ailleurs, celle-là, elle est au musée... Ouais, elle est au musée. Ça, c'est très moche, hein. Sport et jeu, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Ouais. Ça, c'est moi, avant-hier. J'avais un peu bu. S'il vous plaît, envoyez-nous des cosmétiques. Oui. Alors, il y a beaucoup de chiens dans cet appartement. Pourquoi? En tableau. Ça, on peut pas le dire. C'est un secret. Ben, bon. Alors, un jour, Fabrice, un jour, Lorenzo s'ennuyait, il était mis sur ce banc. Là, moi, ça m'amusait de le voir s'ennuyer, alors je l'ai pris en photo. Ouais. Voilà. Sainte-Thérèse, on l'a en plusieurs fois dans l'appartement. Ça c'est les Mycetozoa. On en trouve un peu partout dans l'appartement. Regarde, Fabrice. Oui. Waf waf. Attention, ça brûle. Ça brûle. Ah, c'est beau. Alors ceux-là, on les a mis à la lumière parce qu'en fait, ils brillent. T'en as là, tu as un très joli chat. Et tu as aussi là le cerf. Et puis là aussi, tu as des biches. Tout ça, tous ces éléments brillent et c'est la clinquance. Ça les met en valeur. Voilà. On a des miroirs. On est très fiers de cette cigogne parce que. Regarde Fabrice. Regarde Fabrice. Attention, allez, cigogne. Hop là. Ça gère. Voilà. Ça, c'est un baromètre. Moi, je suis très fier de ce baromètre parce que je l'ai payé une misère. Mais pourquoi? Si, il marche. Si, il marche. Il marche tout à fait. Dans le mode du 19e siècle, il est acheté à une brocante à des femmes qui ne savaient pas combien ça valait. Et c'était une association pour des enfants malades et elle récoltait un peu d'argent. Et j'ai cassé les prix et pour 2 euros. C'est parfait. Alors, des fois, Lorenzo m'attaque. Ça, c'est bon. Je dois m'équiper pour me défendre. Le problème, c'est que je les ai mis sur ma porte et que Lorenzo, quand vient me voir, en fait, il a les armes avec lui. Ouais. Et je me fais tout le temps en avoir, en fait. T'es bête. Je suis... une girafe rouge. Alors, c'est bientôt l'été. Cette girafe n'a pas de crème solaire. Nous voulons des cosmétiques. Nous voulons des cosmétiques pour cette girafe qui veut ne pas prendre de coups de soleil. Ah oui, les cerveaux. Il y a un cerveau. Alors, nous avons deux cerveaux. Nous aimons la science et la biologie. C'est utile. Oui. En cas, par exemple... D'où nous est venue l'idée du petit éco-malade?
je vais vous dire un secret. L'idée, elle est dans ce cerveau. C'est un cerveau que... Ça, c'est le cerveau qui, en fait, qui crée tout ce blog. Hein, ça, c'est le cerveau, oui, c'est le cerveau du buzz. Voilà. Oui. Ouais, c'est monsieur. C'est monsieur. Monsieur buzz, ouais. Donc, celui-ci, on l'utilise quand on a besoin d'avoir une idée. Voilà. Faut le... Ouais. Bah, en ce moment, on lui a mis, tu vois, une licorne à cœur, ouais, dessus, histoire de le stimuler. Mmh. Et lui dire, nous voulons des idées, nous voulons... quelque chose de magique. De l'amour magique. Voilà, d'amour magique, tout ça, des bonnes ondes. D'accord. On a une taupe, un pigeon, ça c'est moi qui l'ai plumé moi-même, je l'ai trouvé dans la rue. Ah, il y a un cousin. Là-dedans il y a un serpent voilà, invisible, voilà. Très 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 rare, très 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 rare. Un cœur, ouais. C'est d'humain, un cœur d'humain. Un cousin. Là il y a le poisson, il... C'est une merlue, alors je sais pas, ouais, si tu vois sa petite langue, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vois pas bien. Le lézard bleu d'Italie. Ça c'est quoi? On dirait du chewing-gum. Ça c'est une langue de... Alors, c'est la langue d'une blogueuse. Ouais. Elle parlait trop. Oh là là, qu'est-ce qu'elle paraît, celle-là? Elle nous a saoulé, on a mis... Alors tu vois, c'est là, y a une petite girafe. Cette girafe et une casquette. Alors, elle a peur de prendre encore une fois des coups de soleil. Nous voulons des cosmétiques. Ouais. Et pièce maîtresse de la cuisine. Ah, car une cuisine n'est pas une cuisine s'il n'y a pas des choses qui donnent faim. Ouais. Voilà. Donc, quelque chose qui donne faim. Donc, alors attends, on va voir la porte. Alors, passe les voir. Alors, bon, ça a commencé par lui. Elle. Ça a commencé par lui. Par lui. Puis lui. Puis, attends, puis lui. Puis lui, voilà. Après, lui. Après, il y en a lui. Lui. Elle. Elle, ouais. Lui. Lui. Ouais, lui, après lui. Et elle. Non, lui. Ça, il vient de... Elle, on oublie elle. Elle, la petite, elle. Mais elle, c'est pas le même peintre. Ouais, c'est pas... Mais elle, c'est la plus malheureuse. On va raconter l'histoire. Oui. Ces tableaux sont peints par un peintre qui s'appelle Bragolin. Bragolin. Très, très accouru dans les années 80. Ouais, 70-80. Oui. Ouais. En fait, ces tableaux étaient maudits. Personne n'en voulait. Ils foutaient le feu dans les maisons, quoi, ces tableaux. C'est... Si vous avez un tableau comme ça chez vous, vous avez 90% de chances d'avoir un incendie. Il faut nous l'envoyer. Le journal The Sun. Oui, The Sun a publié un article d'un pompier qui expliquait que souvent dans les maisons où il venait, il y avait des maisons en flammes, ouais, il y avait un tableau comme ça qui était intact. Tact. Et ça se répétait très souvent, c'était, oui, une drôle de coïncidence. Et bientôt les pompiers n'ont plus voulu avoir chez eux ce genre de tableau. Et c'est bien que une superstition du pompier. Si bien que le journal The Sun a organisé un auto-da-fé et a convié toutes les personnes qui souhaitaient brûler leur tableau à leur envoyer. Voilà, ils ont fait un grand bûcher et ils ont brûlé tous ces tableaux maléfiques. Alors il en reste certains. Parce qu'on pensait que d'avoir un tableau comme ça chez soi faisait que la maison brûlait. Il y en a 27. Nous, on en a 8. On espère en avoir 27. C'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Ça, c'est... On sait jamais trop si vous racontez. C'est une vraie histoire de fou, quoi. D'accord. Donc il y en a 27, nous on en a 8 et on espère bien tous les avoir. Voilà, pour brûler bien comme il faut. À mon avis, il va se passer quelque chose, l'apocalypse ou je sais pas. Je pense qu'on va faire un. Il y a une concentration. On va créer un trou noir. Ouais. On peut en faire un deuxième blog. Ouais. Un deuxième blog parce qu'on va revenir dans le temps. On va créer. Et là, Fabrice, deux lustres. Alors là, on a l'idée de mettre deux lustres. Et un corbeau. Il veille sur la lumière. Non, c'est pas vraiment. Mais néanmoins, ces enfants pleurent, mais ils sont très instruits. Hein. Tu peux voir, Fabrice, que certains ont leur certificat d'études. Et même la petite a eu un bon point. Son bon point. Voilà. Voilà. C'est vraiment pour des pédophiles ici. Non. Il va falloir la manger vite, Louise. Ça, Fabrice, si tu as vu notre clip. Le clip que tu as adoré, Fabrice, en fait... A été fabriqué, oui, voilà. Fabrice, voilà. Le clip fantastique que tu as posté sur Mademoiselle... Dont tu nous as parlé tout à l'heure. Oui. A été réalisé grâce à cet outil qui permet de... Bah là, il est tout démantelé. Mais il permet de fixer un appareil photo, d'avoir une image fixe et de faire de la photo animée. Et ce clip est réalisé en bout de papier. C'est une machine d'Allemagne de l'Est. Authentique, ce qui lui permet d'avoir une rigueur dans notre travail. Très, très. Ouais. L'image ne bouge pas. Ah, ça. Elle a bien trop peur. Ça bouge pas. Ça, c'est. Hein? Voilà. D'ailleurs, même les tortues ne s'y trompent pas. Ouais. Vois-tu? Regarde cette tortue. Elle bouge pas. Je pense que. On peut attendre, elle bougera pas non plus. Elle bougera jamais. Non. Tant qu'elle restera là-dessus. Hein. Parce que sinon, regarde. Là, Fabrice.
Je la mets sur la table, d'un coup, cette tortue. Oh putain! Ma soeur! Attends, je la remets. Voilà, tu vois? Ah oui, y'a ça! Alors viens voir. Ah oui, ça c'est pièce maîtresse. Ça, c'est... Non, ça, je voulais regarder ça, moi. Ça, c'est le sac, c'est le sac de Fabrice. Il est chiant, Fabrice. Alors, ça gâche tout. Ouais. C'est encombrant. On arrive au milieu, on sait pas. On sait pas ce qu'on fait. Alors, on avance, on contourne. Bon, ouais. C'est un peu ce qui. C'est une verrue. Voilà, la verrue de l'appartement. C'est une passoire, voilà. C'est un petit canevas. Passoire. C'est le plus petit qu'on a. Ouais. Mais ô combien important pour l'équilibre de cette masse verte. Et égoutter les pattes. Et égoutter les pattes, ouais. C'est un peu un hommage à la passoire. Alors maintenant, on va te montrer les toilettes. Oui. Alors, les toilettes. Ah non, je croyais que vous alliez faire les toilettes, c'est pour ça que je disais ça. Alors, ça, c'est notre mémo. C'est un pense-bête un peu. Voilà. Tu vois, par exemple, si l'absorption quantique, on a oublié la formule, c'est là, tout est là. Tu vois, course lait exposant 4. Voilà, racine d'huile. C'est vrai qu'il faut faire des courses. Farine plus E plus levure égale gâteau. Ouais. Voilà. Si les enfants sont sages à 57% égale cadeau. C'est important parce que parfois on sait pas, c'est qu'une histoire de quotient. Voilà, et pour se rappeler de l'anniversaire, allez, tu vois, 21-11, anniversaire Lucas, H+1 sur base de cumul. Voilà. Et puis une petite note d'amour pour un peu. Un petit graphique. Voilà. Ouais. Love, voilà. Ça fait love you. Ouais, voilà, ça fait love you. Voilà, avec le graphique qui. C'est une courbe ensemble au pied de. Voilà. Donc c'est toujours utile le matin de se remettre un peu. Ah, et ça, c'est la robe d'Alice. Pour Alice au Pays des Merveilles. Regarde. Hop. Ouf. Waf waf. Waf waf. Ça, j'adore Krieg. J'adore Krieg. C'est une de mes plus grandes inspirations. Alors, ça va ? Ça, c'est la porte de ma chambre. Alors, j'ai mis ça très très haut pour que les gens qui arrivent, ils croient que en fait, je suis quelqu'un de très très grand et très très imposant. Et qu'ils aient peur en ouvrant la porte de pas qu'ils me respectent. Quoi. Oui. Donc, c'est une astuce que je vous donne. Sur votre porte, vous mettez le. Même la porte d'entrée de chez vous, vous mettez votre truc super haut. Ouais. Voilà, c'est bête, mais ça impose le respect. Faut y penser. Alors, moi, ce que je voulais montrer aussi, c'est que. C'est que ce train. En fait, j'avais pas assez de tapisserie pour tout tapisser. Petite astuce que je donne aux lectrices de Mademoiselle, pas de complexe, si on n'a pas assez de tapisserie. On met des cadres. On met des cadres devant. Vous voyez, hop. Voilà, ouais. Ce qui fait que, regarde, là tu gagnes 70% voilà. De tapisserie. Et personne ne le voit, ça passe nickel. T'en mets même un autre motif qui ressemble un peu. Oui, qui ressemble comme ça. mais personne n'y voit rien. Non, ouais. C'est... Voilà, alors nous on vous le montre, on est sympa. C'est le making of. C'est, voilà, ouais. c'est pour toi mademoiselle. Alors ça c'est... Ah ouais, tu dors avec le truc au-dessus de ton lit, hein, c'est alors, ça? Oui, alors moi j'ai cette dame qui dort avec moi, qui dort au-dessus de moi tout le temps, qui veille sur moi, mais en même temps j'ai un peu peur avec ses cornes qu'elle vienne m'embrocher les yeux. C'est pour ça que je dors avec ça. Donc tu vois, Fabrice, quand je suis dans mon lit le soir, je mets ce casque, voilà, je m'endors. Comme ça. Paisiblement. Et moi le matin, je viens et je tape quoi. Ah, c'est l'heure d'aller faire le petit écho malade. Alors là, je me réveille. Voilà. Et c'est pour les sommeils tranquilles. Ah, Fabrice, alors ça, c'est un vrai truc. ça, c'est mon travail. Mon vrai travail. En fait, je suis illustrateur. Je fais des bandes dessinées et des livres pour enfants. Je vous ai déjà vu quelque part de vos BD. Oui, il y a eu sur Mademoiselle une vidéo, une chronique de Pénélope qui a parlé de Petit Petits Insectes. Voilà, la bande dessinée que j'ai faite. C'était fait. Vous. C'était moi, voilà. Donc oui, ça c'est pas une connerie, ça fait partie des vrais trucs. C'est une image que j'ai faite pour une affiche, c'est pour un groupe de musique qui s'appelle Jivelli. Voilà. Voilà. Donc là, je dis pas de blague, là, parce que c'est... C'est sérieux. C'est la vraie vie. Alors, en continuant sur les choses sérieuses, en fait, il faut que je parle un peu de mes livres. Bah parce que oui, j'ai je fais des livres, en fait, pour des éditeurs, comme... Donc, le fameux. Comme 10 petits insectes.
éditions Sarbacane. Chroniqué chez Mademoiselle, aux éditions Sarbacane, que j'ai fait avec David Ekali. Et en ce moment, je fais des choses dans la revue Lapin. À l'association, voilà, c'est à ça l'association, voilà. Ouais. Donc j'ai des pages dedans. Voilà. Voilà, ça c'est mon vrai travail en fait. Ça c'est ton vrai travail. Bon, ça reste quand même des choses un peu rigolotes. Et mais sinon, je fais aussi des livres et des histoires que je fais moi-même de façon artisanale avec un collectif qui s'appelle Arbitraire. Ouais. On a un atelier à Lyon. Et donc sous Arbitraire, donc avec les copains, on fait vraiment des livres d'artisans en fait. On fait tout. Donc ça c'est un livre que j'ai fait avec Renaud Thomas. Ouais. On fait tout en sérigraphie, tout à la main en fait. On les plie, on les coupe, on les colle. Enfin c'est vraiment un gros travail et un travail auquel je tiens. C'est des livres qui sont pas faits en beaucoup d'exemplaires. Je tiens pas à ce que ce soit forcément des livres beaucoup diffusés. Je prends ça comme des petites friandises en fait, des choses un peu comme des bonbons. Donc voilà, ça c'est encore des livres arbitraires. Donc c'est un livre que j'ai fait qui s'appelle Rapide Biscuit. Donc c'est des toutes petites bandes dessinées comme ça. À très peu d'exemplaires qui sont pas beaucoup trouvables. Enfin, on peut les trouver si on va voir Arbitraire sur Internet. Je mettrai le lien. Ouais. Et donc voilà, ça c'est d'autres livres d'Arbitraire, donc de mes collègues. Donc Pierre Ferrero, Antoine Marchalot. Voilà, alors malheureusement, je les ai pas tous là, mais c'est dommage. Bon, alors moi, Fabrice, j'ai un truc que j'aimerais te montrer. La chambre de Lorenzo, désormais. Oui, bienvenue dans ma chambre. Un truc que j'aimerais te montrer, mais vraiment. C'est une des plus belles photos de l'appartement. Je te la mets à la lumière. C'est une photo en fait qui pour moi représente l'idéal féminin. C'est strict, c'est noir, ça rigole pas. Et mais en même temps, il y a une petite blague. Tu vois cette petite tête là? Ça fait immensément rire. Ça fait beaucoup rire. Ah c'est vrai. Voilà. Pour moi c'est la perfection. Tu l'as repéré? Je l'ai trouvé dans une brocante. Et t'as repéré la tête directe. Ah oui, cette tête, elle est trop marrante. Aussi, un truc qui me fait rire, c'est cette femme moche. Ici. Avec son nœud sur la tête. Et en dessous, c'est écrit l'Alsace. Alors, j'ai beaucoup d'instruments de musique. Faut pas trop faire dans le casque, on peut là, c'est terrible. Alors, on peut... Je peux tous te les montrer, peut-être tu peux faire un plan cut. Ah oui, cut. Oui je tous... bah, tiens, je me mets, je me prépare à faire des bleus. Ouais, alors on va tout sortir. Alors. Non, pas ça. Alors ça, c'est Vincent qui me l'a trouvé. C'est génial. C'est une forme d'une crotte, mais ça fait un bruit carrément. Voilà. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Et ça, c'est un de mes plus beaux cadeaux. Voilà, et bon, le vrai instrument, c'est quand même le piano. Et... Ça, c'est sérieux. Faut pas rire, c'est la vraie vie aussi. C'est là que je passe plein de mon temps. Attends, faut que je te suive. Piano et avec tout le monde groupe qui s'appelle Utland. Utland, avec un. Ah. J'ai cru voir un truc sur Facebook, acheter des CD, sinon on va décéder. Oui. Alors voilà, acheter des CD, sinon on va décéder. C'est exactement ça. Il est trouvable où, ceci-là, je mettrai les liens et tout sur... Ouais, il est trouvable sur notre site internet et on part bientôt en tournée. On sera à Paris pour les Parisiennes le 26 juillet à l'International. L'International. C'est un bar dans le 11e. Non. On a fait le tour. Mais je crois... Attends, si, je veux montrer un truc étonnant. Oh merde, la scie. Oh. Truc de fou.
Cet homme est plein de... Qu'est-ce que tu veux... C'est avec ça que tu tues les blogueuses, en fait. Qu'est-ce que tu veux... Oui, ah ouais, mais après, d'abord, je vais jouer de la musique. Qu'est-ce que tu veux que je joue? Je sais pas. Hein? La Marseillaise, par exemple. Claire de la Lune. Ouais. C'est simple. Claire de la Lune. Non, la Marseillaise. C'est un vrai instrument en plus. J'ai fait soft, hein, j'ai fait la Marseillaise. Ouais. Comment finir là-dessus, je ne sais pas. Lorenzo et Vincent, merci pour ce petit moment, c'était franchement extraordinaire. Bah, de rien, on va te tuer maintenant. Ah oui, je sais. Bah, j'ai... Donc Fabrice, merci d'être venu. Maintenant, on va monter la vidéo sans toi puisque ouais. Tu restes dans cet univers. Et merci de ton passage en tout cas et de ton aide.